Particulièrement pour moi, c'est difficile parce que, notamment, je ne me suis jamais privée avant d'être musulmane de quoi que ce soit, surtout pas de nourriture. Et là, le fait de se priver comme ça, aussi absolument, je me suis entraînée un petit peu avant, j'ai fait des journées de jeûne, etc. Mais là, c'est chaque jour qui passe non-stop. Donc c'est vrai que, bon, d'un point de vue physique, c'est difficile, surtout que là, il fait 30 degrés. Je sais que dans certains pays musulmans, il fait 50 degrés, mais il fait quand même chaud, on n'est pas habitué, en plus, il y a le travail. Donc voilà, comme je suis obligée de travailler en même temps pour ramener le loyer, c'est plus difficile quand on est au travail, en fait. Parce que quand on ne mange pas et qu'on ne boit pas de 5 h du matin à 22 h le soir, on se dit c'est pas possible, j'aurais jamais réussi ça avant. Et là, on se rend compte de sa foi. On se dit, il n'y a que ma foi qui peut me permettre de faire ça. Il n'y a qu'une foi en Dieu qui peut me permettre de faire ça. Si j'étais athée, je pourrais jamais envisager quelque chose comme ça. Donc, on se rend compte de sa foi et ça permet de dépasser ses limites et de se réaliser quoi, en tant que musulman. Celui-là, tu veux? Non. Pas, mais, Allahu Akbar.